Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live créatif sur la page Harmony Scrap. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes mercredi, il est 14h. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me faire vos retours quant au son et à l'image. Je teste des nouvelles petites choses techniques aujourd'hui. Donc, surtout si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera plus pratique. Pour être sûr que tout le monde m'entend et me voit. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Gwen, super, ça a l'air de fonctionner, j'ai du retour, c'est génial. Ok, parfait. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est jour de repos? Si vous êtes là, c'est que oui, a priori, donc ça c'est top. J'espère que vous en profitez bien. Alors. Hop, est-ce que vous êtes toujours là? Coucou Martine, bonjour Angélique. Son et image ok. Bonjour Muriel, Cathy, Cerise. Cerise, je vous envoyais un message, mais j'ai pas eu de retour. Est-ce que vous l'avez eu? Ok, bon, ça a l'air de fonctionner, c'est génial. Super, coucou Émilie, bonjour Lucie. Coucou Muriel. Génial, je suis ravie de vous retrouver. Bon, bah écoutez, j'espère que tout le monde est en forme, j'espère que tout le monde va bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier de cette année. Voilà, et voilà, je me suis lancée chez Stampin' Up pour pouvoir partager avec vous plein de créations, de projets, des produits. Qui sont extraordinaires pour travailler. Bonjour Brigitte, bonjour Cathy. Super, tout le monde arrive en même temps, je suis super contente. Donc voilà, donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles arrivantes. Je suis ravie de vous accueillir ici. Je suis à Muriel, un petit problème d'image. Je suis sûre que ça va fonctionner. Allez, on va croiser les doigts. Je fais des nouveaux tests aujourd'hui. Vous allez voir l'image après. Voilà, on va croiser les doigts. Je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence, voilà, sous tout le travail technique, mais on va y arriver. Bonjour Nadine. Merci Martine, c'est gentil. Alors Martine me félicite pour mes récompenses de on stage, donc je vous l'ai dit, donc dimanche. Coucou ma Fabienne, j'ai eu ton message, je t'écris tout à l'heure. Bonjour Marie, Magali, coucou Virginie. Coucou ma Laurence. Donc oui, effectivement, j'ai eu la chance de recevoir des reconnaissances en fait avec On Stage, donc notre convention annuelle qui regroupe toutes les démonstratrices. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs à nouveau en fait parce que c'est grâce à vous que je peux évoluer en fait dans ma passion. Donc j'en suis vraiment très très contente. Coucou Sandra. Voilà, donc et puis ça fait plaisir en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de voir qu'un investissement est récompensé. Voilà. Bonjour Catherine. Bonjour Gwenaëlle. Bienvenue. Et puis il y a autre chose qui me réjouit aussi aujourd'hui. J'ai vu il y a 1 heure en fait que je viens de franchir tout juste la barre des 1000 abonnés sur ma page Facebook. Voilà. Donc là aussi, c'est. Une belle récompense aujourd'hui, une confiance que vous m'accordez et je suis vraiment super super contente. Donc merci beaucoup à tout le monde et à tous mes abonnés de me faire confiance et de continuer à me suivre au fil des semaines. Bonjour Annick, bienvenue. Alors, concentrons-nous maintenant sur le projet de la semaine. Donc, je vous ai proposé cette semaine de réaliser une window card, vous savez mon accent, une carte fenêtre. Voilà, c'est une carte qui est très très simple à faire, mais alors par contre qui je trouve a un effet extraordinaire sur qui donne vraiment un effet super sympa. Donc, je vous la remontre. Hop, alors comme ceci. Merci Émilie. Ouais, j'ai franchi la barre des 1000, Laurence, je suis trop contente. Alors, la voici.
Et donc, le principe de la carte fenêtre, c'est que vous voyez ici, c'est du papier transparent. Donc, on voit en fait à l'intérieur par transparence. Et voilà, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. C'est un petit montage tout simple, mais vous voyez, elle a une classe folle cette carte. Hein. Vraiment, je trouve ça super. Donc voilà, j'ai utilisé le papier argenté, j'ai utilisé évidemment nos belles courbes. Attention, hein, l'utilisation donc des belles courbes n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien adapter avec ce que vous avez, on va voir ça ensemble. Donc voilà, j'espère que cette carte vous plaît et donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Alors, hop, merci Isa, c'est gentil, merci Muriel. Donc voilà, bah écoutez, je vous propose que nous démarrions. Et donc c'est normalement ici que est censée fonctionner la nouveauté. Déjà, je pense que vous avez pu voir apparaître à l'image le code de test du mois de novembre qui reste affiché. Voilà, donc c'est plus pratique que de le voir écrit sur le papier que je cache à chaque fois avec mon plan de travail, n'est-ce pas? Voilà, voilà. J'essaye encore et toujours de me former et d'apprendre plein de choses nouvelles pour pouvoir vous proposer des choses, toujours des choses nouvelles et des choses correctes, en fait. Voilà, parce que c'est important pour moi. Et ceux qui me connaissent, mon entourage, savent que j'aime apprendre en fait. Donc voilà, quelques heures passées là-dessus. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. Merci Angélique et bienvenue. Donc c'est parti. Je me lance. Et voilà. Vous l'avez déjà vu chez certaines de mes collègues, hein, bien sûr. Le principe donc d'avoir en même temps le plan de travail et notre chère petite Trombine qui continue à vous suivre. Voilà. Eh bien, croyez-moi, c'est pas une mince affaire de mettre ça en place. Voilà. C'était pas prévu dans mon programme aujourd'hui, mais ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et puis que je m'y étais pas encore penchée vraiment. Voilà. Donc, il me manque encore plein de petits détails techniques, mais je sais que voilà, avec l'utilisation, c'est comme pour tout, hein. L'expérience fait que on s'améliore au jour le jour. Donc j'espère que la nouvelle formule vous plaira et que ça va fonctionner. Pour l'instant, ça a l'air de le faire plutôt pas mal. Donc c'est assez sympa. Donc vous avez donc en haut ici le code de test pour le mois de novembre pour vos commandes qui reste affiché. Donc si vous voulez passer vos commandes, pensez à l'utiliser. Ça vous permettra en fait de recevoir un petit cadeau de ma part au mois de décembre, donc le mois suivant à chaque fois. Voilà. Et puis vous avez, hop, ici. C'est du travail, hein? Ici, donc le lien pour vous rendre directement sur la boutique. Voilà. Alors, je vais par contre synchroniser avec mon portable parce qu'avec mon logiciel là. Du coup, je ne vois pas vos commentaires, donc je vais faire en sorte de les avoir sous les yeux pour que ce soit plus facile. C'est parti pour le projet. Donc, très peu de matériel nécessaire donc pour la réalisation de cette carte. Hein, vous l'avez vu donc dans l'événement. Il vous faut déjà une base de carte, du papier fenêtre. Il vous faut également du papier design hein, pour l'arrière de pour la visibilité en transparence en fait donc de la carte. Et puis du papier de mattage tout simplement pour embellir votre carte. Et puis des embellissements après. Donc moi je suis repartie sur les poinsettias, donc j'ai fait en béguin bleu et en argent. J'ai pensé à changer de couleur, mais en fait j'étais tellement amoureuse de ce combo que j'ai pas pu m'empêcher. Du coup bah, je repars sur le même. Voilà. C'est pas très original, mais voilà, quand on aime, on compte pas. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, hop, je récupère vos commentaires ici, si ma vidéo veut bien s'afficher. Hop, je vais l'agrandir. Et c'est parti. Du coup, j'ai sur mon téléphone à peu près le même retour que vous, a priori. Donc, ça n'a pas l'air trop trop mal. Par contre, là, je ne vois toujours pas vos commentaires, donc ça m'agace. Hop. Je suis désolée hein, de cette petite attente, mais je sais que vous me comprenez quand on démarre un truc. Je voudrais pouvoir vous suivre. Alors, qu'est-ce que je vois? Très belle carte, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Popo. Bonjour Abigail. Hop, Catherine. Vive la technologie, oui.
Tu es bien la digne filleule de ta marraine. Alors ça, Martine, c'est un compliment qui me fait vraiment très très chaud au cœur. Coucou Sandrine, ça va ma belle? Ok. Bonjour Nathalie. Bon, ça m'agace. Hop, je vais jongler, ça va le faire. On s'inquiète pas. Ah, ça y est. Oh, comme quoi, vous voyez, tout arrive. Juste un tout petit peu de patience, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Donc, je vous disais, la base de cartes qui faisait 21 cm par 14,8. Ok? Pas de problème, Émilie, t'inquiète pas. Bon après-midi à toi. Ok, ça c'est notre base de cartes. Là, on va l'utiliser. Je vais avoir besoin de ma machine de découpe pour pouvoir faire ici ma courbe. Ensuite, donc comme je vous disais, je suis restée sur les mêmes coloris. Hein. Oui, Sandrine, ça va, je te remercie. Donc j'ai pris mon papier argenté qui va me servir de papier de mattage. Donc celui-ci faisait 14,3 par 10 cm. Ok. Mon papier design qui lui fait 13,8 par 9,5. Ok. Le papier fenêtre. Merci Sandrine. Le papier fenêtre qui fait 14,8 par 10,4. Ok. Et puis tout simplement après, hop, la petite déco pour embellir la carte. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé mes poinsettias que j'ai découpés dans mon papier béguin bleu et dans l'argenté. Et je trouve que, ben voilà, j'adore. Ça brille, c'est super joli. Je trouve que c'est vraiment le top du top. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça aussi beau que moi. J'aime bien le doré, mais alors là, l'argenté, franchement, j'adore. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites découpes. Je vais poser ça après, mais pour l'instant, je vais les mettre de côté. Hop là. Ah, ça a l'air de vous plaire. Je vois plein de petits pouces. C'est génial. Alors, ceci, donc comme d'habitude, alors là pour le coup, il n'y a pas de schéma de pli de coupe, hein, il n'y a pas besoin finalement. Donc ça, vous le retrouverez sur le blog comme d'habitude, hein, le petit rappel donc avec toutes les mesures et puis la liste des produits que j'ai utilisés pour la réalisation de cette carte. Coucou Pascal, merci, c'est gentil. Alors ça aussi, je le mets de côté pour l'instant. Pardon. Alors. On va venir s'occuper donc de la partie de la courbe, donc qui est ici. Là, vous voyez, ces arrondis-là, en fait, ils vont être faits ensemble. Hop. Alors, la petite particularité, un peu de Wink Ostella sur les pétales. Oui, j'en ai mis sur la carte d'origine. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, Sandrine, ici. Mais oui, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Ça se voit peut-être plus sur les photos, en fait. Merci, Daniel. Là, à l'écran, avec toute la luminosité, on ne voit pas très bien. Mais effectivement, j'ai passé donc le Wink of Stella sur chacune des pétales du béguin bleu. Et ouais, c'est flash. Alors, hop, donc je vous disais que pour la réalisation de ma carte, j'ai utilisé les courbes, donc qui fait partie du lot Belle Courbe, donc qui est sorti là en début de mois, qui est vraiment extraordinaire, qui permet de faire des réalisations vraiment très jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça fait un petit moment que vous les voyez. Quel est votre avis d'ailleurs là-dessus? Donc il y a plusieurs. Oh, je vais y arriver. Il y a des tampons, il y a des poinçons, voilà. Je vais vous montrer, hop, si ça passe. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Alors, hop. Donc ici, j'ai utilisé ce poinçon-là. Donc la particularité de ces poinçons. Je vais essayer de vous le montrer plus proche à l'écran, voilà. Ici, il y a un espèce de petit rebord, en fait, qui va servir à couper le papier. Donc, quand vous allez les utiliser, faites bien attention à la disposition, en fait, de votre poinçon. Alors, Sylvie, en replay, il n'y a pas de souci. Merci, Christiane, c'est gentil. Donc vous verrez, hein, il y a un petit rebord et qui va lui permettre de couper, tandis que l'autre partie servira à embosser.
Mais à chaque fois qu'il y a un petit relevé comme ça, en fait, c'est que ça va servir à couper. Donc bien bien faire attention au sens de pose donc de ce poinçon sur votre carte. OK? Alors, je vais prendre ma machine. Merci Claudia, c'est gentil. Martine, on n'est pas dimanche? Non, pourquoi tu me dis qu'on est dimanche? Hop. Alors, je vais prendre mes planches. Hop, voilà. Donc vous la connaissez, hein, c'est la nouvelle machine là, qui est sortie cette année aussi. C'est mon petit bijou, celui-là. C'est vraiment un vrai bonheur à utiliser. Elle est tellement maniable. Je vais prendre ma base de cartes. Ok, donc hop, ici ça va être l'avant. Donc je vais venir poser ma découpe. D'accord. Et là, je veux me séparer du bas. D'accord. Donc, comme sur mon poinçon, ici, le rebord est là pour la découpe, je la place bien dans ce sens-là. Donc là, en fait, vous vous basez vraiment où vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation de mesure. Vous pouvez juste laisser un petit morceau en haut, faire à la moitié. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. D'accord? Il vous suffit de venir le positionner. N'oubliez pas de bien ouvrir votre carte avant, sinon vous allez couper les deux morceaux en même temps. Hein? C'est bête, mais ça peut arriver. OK? Donc, je viens positionner ma carte. Hop! Je mets ici mon poinçon. Je suis désolée, le téléphone sonne. France, oui, ces poinçons sont vraiment extraordinaires. Il donne, je trouve, c'est ce que je disais l'autre jour, beaucoup de douceur aux cartes en fait, et je trouve ça vraiment trop bien. C'est bien positionné, et je viens simplement maintenant le passer dans ma machine. Pour celles évidemment qui n'ont pas de poinçon de ce genre, rien ne vous empêche de venir dessiner vos courbes vous-même sur votre papier et de venir le couper au ciseau, tout simplement. Hein, ça suffit parfaitement. Hop! Je pose ma plaque, j'ai tout qui a bougé. Voilà. Et ensuite, donne un petit coup de manivelle. Et ça sera bon. De là. Voilà. Ça passe nickel. Je ressors tout ça. Voilà, je vais garder ça aussi. Alors, vous voyez. Hop. Le die fait la longueur nickel. Oui, quand la carte est dans ce sens-là, oui, c'est top. Faut que je pense que vous me voyez. Et du coup, il faut que je pense à vous faire coucou. Parce que franchement, c'est pas du tout spontané ou inné. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me le rappeler en me disant, ouh, on est là. Donc, voilà. Ça va donner ça. Ok, là. Donc là, je vais utiliser mon outil touche à tout pour venir enlever ce les petits bouts qui restent. Okay. Et je ne vais surtout pas jeter en fait l'autre partie. Alors attendez, hop, on va faire ça comme ça. Du coup, j'en ai plus besoin. On garde bien évidemment le deuxième morceau parce qu'en fait, on peut tout à fait l'utiliser soit pour une autre création, mais là en l'occurrence, moi je vais l'utiliser puisque ici, je suis venue en fait mettre un petit bout sur le bas. Vous voyez? Et puis rien ne vous empêche aussi de repoinçonner encore votre chute pour l'utiliser pour autre chose aussi, hein. C'est vraiment pas un problème. Hein. Ok, donc je me le garde de côté, hop, et je viens enlever les petits bouts de trucs. Alors, j'ai oublié mon outil. Hop là, c'est parti. Oui, mais c'est tellement plus sympa de te voir travailler en même temps. Oui, bah c'est voilà, une grande première, vous me voyez en même temps. Je peux pas tricher là. Hein. Alors, hop, on vient. On peut faire qu'une chose à la fois. Martine, je suis pas d'accord. Je pense que nous, les femmes, sans être misogynes du tout, on est conditionnées pour faire plusieurs choses à la fois. Hein. Franchement. Hein. Une femme, mais nous, ah oui, d'accord, oui, il me manquait un mot, c'est pour ça, donc on est bien d'accord, Martine. Une femme peut faire deux choses à la fois, voire plus. Hein. On est bien d'accord là-dessus.
Hop, voilà. Vous avez vu, ça part tout seul, hein. Là, les poinçons qu'on coupe parfaitement bien, donc il n'y a pas de problème de déchirure. Hop, un petit coup comme ça, et du coup, ça part nickel. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Parce que c'est vrai que parfois, avec les dentelles, c'est un peu compliqué. À une époque, avant de démarrer chez Essu, j'avais d'autres poinçons achetés vraiment pas cher. Et je me suis pris la tête, vous ne pouvez pas imaginer. J'avais fait des enveloppes pour le livre d'or de mariage de mes amis. Et j'avais eu la bonne idée de poinçonner, je sais pas, peut-être une centaine de petites enveloppes avec de la dentelle. Et ben croyez-moi que quand il faut tout dépoinçonner petit bout par petit bout sur chaque enveloppe, c'était un peu compliqué, hein. Alors, hop, je me sépare de tout ça. Voilà. Bonjour Jocelyne, comment ça va aujourd'hui? Hop, donc ça c'est bon. Je prends mon plioir ici. Voilà. Donc, on va procéder par étapes. Je viendrai positionner en fait mon matage et tout ça après. Je vais venir m'occuper déjà de la déco ici. Donc, ici, j'ai tout simplement tamponné le petit message en béguin bleu, voilà, pour rester dans les mêmes couleurs en fait. J'ai utilisé donc les petits flocons étoiles qui sont hop ici. Voilà. Je les ai positionnés, vous allez voir, je vais vous montrer après avoir écrit mon sentiment. OK, le girl power. Ouais. C'est ça, Sandrine. OK. Ici, sur le bas, j'ai tamponné pareil, donc la belle petite frise avec les étoiles ici, mais cette fois je l'ai embossée en argent. Donc je vais faire pareil aujourd'hui, d'accord? Donc je vais prendre ici mon tampon, hop, et je vais d'abord viser à peu près. Je vous ai perdu? Est-ce que je vous ai perdu? Ah non, vous êtes encore là. J'ai perdu les commentaires en cours de route, dites donc. Là, c'est mon téléphone qui veut plus. Tant que c'est pas l'ordinateur, c'est parfait. Alors, hop, vous êtes encore là ou pas? J'ai vraiment un doute quand même. Bonjour Laurence. Ah non, c'est bon. Ok, c'est juste mon téléphone qui me fait des siennes, histoire de me faire des petites frayeurs, parce que j'ai pas encore assez chaud avec toutes les lumières que j'ai partout. Bien. Alors, j'aimerais bien vous retrouver quand même, parce que du coup, je vous vois toujours plus. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ok, allez. Donc, je disais, on va positionner notre papier fenêtre pour se rendre compte à peu près où il va aller. OK? Il viendra se coller sur la partie que nous avons coupée ici par l'arrière. D'accord? Vous voyez, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué là. Pour le coup, on est tranquille. C'est très simple. Ici, je vous ai dit que j'allais donc garder la partie qui était coupée. Donc là, en fait, il suffit simplement que vous choisissiez ce que vous voulez garder et enlever. Donc on le positionne. Voilà. Donc là, je me dis que c'est pas mal comme espace. Donc je vais simplement me faire une petite marque sur le côté pour voir où je vais couper. Voilà. Il n'y a pas besoin de mesure là. On fait vraiment selon notre envie. Hop, donc je me fais ma petite marque ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper pour me séparer du bas. Donc je prends mon coupe-papier. Hop là, magique. Voilà. Yes. Comme ceci. Jocelyne, vous avez reçu votre commande hier. Génial. Je viens couper mon papier ici. Hop, il me reste une bande qu'on peut toujours utiliser. Surtout, on les met de côté.
et je récupère ma courbe ici. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir faire mon tamponnage. Donc vous voyez, hop, ça viendra se coller là. Voilà, j'ai une belle ouverture ici. On va pouvoir voir mon papier après, donc ça sera super. Ça va toujours? Alors, je vais venir embosser donc ce magnifique message ici. Donc, vous pouvez, comme ce sont des tampons transparents, adapter en fait la courbe de vos tampons. Et ça, c'est vraiment super sympa. Donc, on peut les prépositionner comme ça. Hop. Et après, on vient faire adhérer notre tampon acrylique. Bon, c'est un peu sport parfois, mais on y arrive. Voilà, là, il n'est pas trop mal. Donc, zou, je viens le poser. Et ça, c'est bon. Il est prêt. Et ça sera le même principe pour le sentiment, en fait. Là, vous ne voyez pas, ici. Ces tampons-là, on peut donc, comme ils sont déjà un petit peu incurvés, on peut accentuer les courbes pour que ça tombe, ça épouse vraiment très très bien les courbes de notre papier, de notre découpe. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa aussi. Alors, je prends mon brouillon. Vous connaissez tout le système de l'embossage. Je prends mon brouillon. Alors, j'utilise parce que je l'ai toujours, hein, mon Embossing Buddy. Je sais qu'il n'est plus dispo. Mais vous pouvez aussi trouver sur Internet pour les faire, hein, des petits coussins avec de la maïzena. C'est tout simplement pour retirer l'électricité statique qu'il y a sur le papier. Bon, ce n'est pas indispensable, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est un petit plus. Je viens prendre ma Versamarque. Hop. Je tamponne. Voilà, comme ceci, et je viens le mettre sur mon papier. On vise, j'ai la tête dans la caméra. Alors, hop, c'est parti, on fait bien adhérer sur le papier. Voilà, et ensuite je viens tout simplement déposer ma poudre sur... sur mon papier. Comme ceci. Nickel. Parfait. On tapote à l'extérieur pour un vel plus gros. Martine, tu connaissais pas l'embossage? Ah bon? Ah bah je suis contente, t'as appris quelque chose alors. Ça me fait plaisir. C'est très simple, hein. Voilà. Donc, la Versamarque, la poudre. Ah non, tu parles de l'embossing buddy, je parie. Hop, je viens récupérer donc ma poudre avant de la perdre. Ou d'en fiche partout, comme ça m'est déjà arrivé. Hein. Je suis sûre qu'à vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Vous savez le truc où on renverse le pot et qu'on en fiche partout. Voilà, je viens... hop. Chauffer avec mon pistolet. Je suis désolée d'avance pour le bruit. Voilà, désolée, ça casse un peu les oreilles, hein, mais... Donc voilà, ma belle petite frise est bien faite, bien embossée, bien brillante. Voilà, donc elle va venir se mettre ici. Et donc là, je viens tamponner ici mon petit message. Hop, donc je vais l'ouvrir comme ça. Pardon. Je vais prendre donc mon message... Gwenaëlle, vous aussi, vous ne connaissiez pas l'embossage? C'est génial. Alors, j'adore. En fait, c'est ça ce que j'aime, c'est de pouvoir vous apprendre des choses. C'est magnifique. Et si vous aimez apprendre comme moi, voilà. On n'en cesse jamais d'apprendre, je trouve ça extraordinaire, moi.
Alors, je vais venir le positionner. Donc, vous voyez, là, je vais pouvoir l'incurver un petit peu plus. Hop. Coucou Dominique. Coucou Muriel. Là. Ah, je vous ai dit, c'est sport, hein. Voilà. Voyez, hop. Du coup, il va venir se mettre comme il faut ici. Bonjour Geneviève. Bienvenue. Donc, je prends mon béguin bleu. Je crois que c'est mon bleu préféré. C'est vraiment celui que je préfère par-dessus tout. Voilà. Hop. En fait, le fait d'avoir la vidéo en même temps et bah alors c'est moi que je vois, mais du coup, j'ai encore un tout petit peu plus l'impression que je suis avec vous. Mais c'est vachement agréable. Voilà. Et je viens mettre mon tamponnage ici. Comme ceci. T'inquiète pas, Dominique, tu le verras en replay. Il n'y a pas de souci, ma belle. Ok, je vais garder mon encre et je vais hop là, prendre un bloc un petit peu plus petit, en fait, tout simplement pour venir me servir des petits flocons et des petites étoiles. Voilà, je pose ça de côté. Et en fait, la petite astuce là que j'ai faite la dernière fois, c'est que j'ai positionné mes petits flocons et mon étoile autour de mon sentiment. Comme ça, je le tamponne en une seule fois. C'est plutôt pas mal. Alors, je les prends ici. Je vais le disposer tout autour. Bonjour Karel. Comment allez-vous? Hop. Voilà. Ça me colle un petit peu au doigt, hein. Faut pas se le cacher. Voilà. Veux-tu venir ici? Oui, c'est vrai que le Mystérieuse Brume est très joli aussi, mais il est un petit peu plus foncé. Mais par exemple, en comparaison avec le Piscine Party, par exemple, qui vire un peu plus vers le vert, je préfère vraiment le béguin bleu. C'est la valise diplomatique. Ouais, Fabienne, c'est pour ranger tous les blocs acryliques dedans. En fait, ils ont chacun leur petite place, t'as vu? Comme ça traîne pas, c'est assez pratique. Voilà. Vive l'outil touche à tout aussi. Ça, c'est pas mal. Hop. Veux-tu venir ici? En fait, il faut être bien équipé pour réaliser ces ouvrages. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez adapter toujours, hein. Il y a toujours des solutions. Oui, bah oui, du coup, ma valise, mais vous savez, vous pouvez la commander aussi, hein. Vous pouvez tout à fait l'avoir. Elle est dispo sur le catalogue, il n'y a pas de problème. Mais oui, en plus, je fonctionne avec Stampin' Up. Donc, si je n'aimais pas les produits et si je ne les trouvais pas intéressants, j'aurais rien à faire là, en fait, tout simplement. Hop, voilà, maintenant qu'ils sont positionnés, je peux tamponner les trois en même temps. Et c'est parti. Et voilà. Comme ça, nickel. Ils sont tous positionnés en même temps. Je vous l'ai déjà dit, hein. Alors j'ai chaud. Hop, je range ça. Voilà. Et on a fait pratiquement l'essentiel de notre carte. Je vais venir monter donc. Hop, mes poinsettias ici. Tout simplement. Donc vous savez, hein, les poinsettias, il y a les poinçons donc, qui découpent autour et qui embossent aussi. Donc les poinçons sont en deux étapes et on peut les mettre tous les deux en même temps dans la planche de découpe. Donc ça coupe et ça embosse en même temps avec deux poinçons. Voilà. Donc tout simplement un petit point de colle. Voilà. Mon béguin bleu. Mon argenté. Hop. On vient le coller au centre. Ça glisse un peu.
Je viens mettre le deuxième. Ça vous plaît toujours, les filles? Vous m'avez pas dit ce que vous pensez de ce mélange bleu et argenté. Est-ce que vous aimez ça aussi? Hop. Ok, on a même le petit centre de la fleur. Hop, là je vois qu'il me reste des petits bouts. Je les enlève. Voilà. Des petits points de colle. Pouf. Voilà, je vois des petits cœurs, c'est que ça doit vous plaire. C'est top. Alors, une autre question. Dites-moi, vous êtes plutôt doré ou argenté? Doré ou argenté? Dites-moi. Voilà. Salut! C'est beau, regardez. On dirait qu'il y a des anges pas loin. Hop, donc ça viendra bien sûr se mettre ici. Voilà, on viendra coller ça après. Là maintenant, on va s'attaquer donc au papier fenêtre qu'on va positionner donc sur le haut d'abord. Dominique, les deux. Merci Anne-Marie. Voilà, donc on sait que ça va venir là. Donc je vais venir, hop, mettre là, je vais prendre mon Stampin' Seal, ça va un peu moins baver que la colle, et je viens, hop, le déposer sur l'intérieur. Merci Pauline. Les deux, c'est top. Vous êtes à peu près toutes sur les deux, en fait. Comme quoi, hein. Hop, voilà. Donc, quand on aime les deux, c'est difficile de choisir. Bah ouais, je suis d'accord, Christelle. On vient s'assurer de bien positionner le papier fenêtre. Donc, on le vise, hein. Alors, il vaut mieux qu'il soit bien au bord en bas. Hein. C'est pas grave si vous avez du jeu en haut. Donc, on l'aligne bien avec le bas et les côtés. Voilà. Et on vient simplement rabattre cette partie-là. Coucou Sabrina. Coucou Coco. Voilà. Voyez. Hop. Déjà, on va avoir une carte superbe qui s'ouvre comme ça. Moi, je trouve ça super mignon. On vient maintenant coller le bas. Pareil. Même principe. Hein, avec la petite chute qu'on a eue ici. Donc, pareil. Je viens mettre... Hop, mon Stampin' Seal sur mon papier. Hop, on peut même faire des courbes avec lui. C'est pas génial ça? Voilà. Et on vient le coller donc sur le papier fenêtre, sur le bas. Ça va toujours? Et là pareil, on s'assure d'être bien au bord. Sur les côtés et en bas. Voilà. Hop. Nickel. Maintenant, l'intérieur. Ben, rien de plus simple, en fait. Le papier de matage, le papier design à venir coller. Donc là, je prends ma colle. Comme ceci. Voilà. Ça doit vous en mettre plein les yeux, l'argenté, là, avec toutes mes lumières. Hop. Alors, voilà. Oui, Anne-Marie, hein, vous avez vu, elle est hyper simple. Mais du coup, les gens, si vous offrez cette carte à quelqu'un, vous allez forcément avoir l'effet. Waouh, elle est trop belle, ta carte. C'est ce que j'ai eu avec mes enfants. Hop, le papier design. Bon, là, je prends un petit peu plus de temps à la faire parce que je papote avec vous en même temps. Mais vous, si vous la faites chez vous, vous verrez, vous mettrez moins longtemps que moi. Hein. Le papier ici. Voilà. Donc là, si vous voulez aussi ne pas mettre de papier design à l'intérieur et laisser donc la partie blanche... Et puis, vous pouvez y mettre, y incruster donc, des tamponnages et laisser une petite place donc, pour mettre votre petit message. Si vous voulez qu'on voit apparaître votre petit mot
le petit mot à la personne à laquelle vous envoyez cette carte. Si vous voyez qu'on la voit apparaître en transparence, vous pouvez aussi tout à fait. Hein. Le papier design à l'intérieur n'est pas obligatoire. Vous avez vu? Alors, j'ai pas pris tout à fait le même papier que la dernière fois. Je crois que je préfère la deuxième en fait. Vous allez voir, c'est pas tout à fait les mêmes bleus. Enfin bon, je vais la terminer, hein, vous verrez ça après. Alors, je viens positionner donc mon poinsettia maintenant. Donc là, je m'assure de viser par rapport à mon message, donc entre deux pétales, comme ça, voilà. Je réfléchis à l'endroit où je mets le reste de mes petites décos. Du coup, j'ai découpé qu'une feuille, mais finalement, c'est peut-être pas mal non plus. Ça suffira. Alors, je vais le mettre là. Ok, donc c'est parti. Tu parles, moi je mets 3 heures à faire une carte. Oh Sandrine, je suis sûre que c'est pas vrai. Vu le talent que t'as en plus et toutes les créations que tu fais. Et puis à la limite, si tu mets 3 heures, on s'en moque. Parce que c'est trop beau. Alors, c'est une belle finition de papier à l'intérieur. Oui, c'est le papier flocon, splendeur de flocon. En flocon. Hop. Je vais le descendre un peu. Voilà. Je viens mettre de la colle sur ma jolie petite branche. Hop. Là, du coup, s'il y en a au-dessus, c'est pas grave. Voilà, un petit peu là, comme ça la maintiendra un petit peu plus. Zou. Et on vient le positionner où on le souhaite. Voilà, ma petite feuille. Avez vu? Voilà, avec la colle, forcément, c'est moins joli, je viens d'y penser, mais c'est pareil, hein. Pour les feuilles, les poinçons coupent et embossent en même temps. Moi, j'adore. Ben en fait, je ne vais pas vous dire que j'aime pas. Vous allez me dire, ouais, c'est facile et tout. Non, mais franchement, hein, je vous promets, je m'éclate avec ça, moi. Les produits, je les trouve extra. On peut faire tellement de choses avec. Hop. Voilà. On arrive au bout. Une petite touche maintenant brillante avec, hop, des petites perles. Donc, je vais prendre les petites pelles. Ah, les petites pelles. Perles, c'est mieux. Parce que les pelles, non, ça ne va pas être pratique. Alors, la colle avec le papier fenêtre, ça tient bien. On ne voit pas la colle. Alors, là, j'ai pris le Stampin' Seal. Donc, ça se voit un tout petit peu sur le dessous, là. Si ça vous pose un problème, vous pouvez parfaitement mettre un deuxième morceau de papier que vous avez découpé avant avec vos courbes aussi. C'est possible pour le cacher. Là, mes petites perles. Le principal, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ah ouais, alors là, Cécilia, je suis tout à fait d'accord. Et alors là, vous n'imaginez pas le bien-être que je ressens en ce moment à vous faire ce live, à échanger avec vous, à vous montrer ce qu'on peut faire. C'est... Non mais c'est le pire, c'est que c'est vrai. Je sens un... Ouais, un bien-être, en fait, là. Je me sens bien. J'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. Et ça, c'est une vraie chance, en fait. Mais je pensais pas que ça m'arriverait, ça, hein, je vous promets, hein. Allez, mes petites perles. Alors, c'est bien, le paradis des scrapeuses, jamais déçu. Oui, mais pour la colle blanche, vous allez utiliser. On ne la voit pas derrière. Si, il est possible que. Alors, non. La Tombow, elle devient transparente au séchage. Quand vous utilisez avec du papier vélin, par exemple, ça peut se voir. Ce que vous pouvez faire, c'est à peu près le même principe que quand vous utilisez cette colle-là avec du papier vélin, c'est-à-dire la poser avec une éponge. Donc vous déposez en fait sur un support quelconque. Merci Pascal. Sur un support, en fait, vous déposez un petit tas de colle. Vous prenez un morceau d'éponge.
sur laquelle vous que vous utilisez donc pour récupérer la colle que vous avez fait, que vous avez posée, et vous venez tamponner très légèrement à des endroits stratégiques votre colle à l'aide de votre éponge. Et c'est ce qui fonctionne très bien pour le papier vélin aussi, parce que du coup, c'est vraiment positionné par des petites touches avec l'éponge, et du coup, ça se voit quasiment pas. Ok, donc mes petites perles, je vais terminer ça. Hop, voilà. Je vais en mettre une petite ici. Zou. Et puis une petite en bas aussi, hein. Voilà. Ouais, Martine, le scrap c'est mieux que le psy. Je suis d'accord. Voilà. Donc cette petite carte est terminée. Voilà, vous avez les deux versions. Alors j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à reproduire et à l'identique deux fois la même carte. Voilà, c'est pas possible. C'est aussi ce qui fait le charme, je trouve, des créations, c'est que au final, elles sont toutes uniques. Donc c'est ça qui est vraiment très sympa. Hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Merci Jocelyne, c'est gentil ça. Donc la première. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Sandrine va me taper sur les doigts. Ici, j'avais mis le petit nœud, vous avez vu? Hop, et là aussi, j'avais passé donc le Wing of Stella. Donc le petit nœud, pareil, il fait partie du set de tampons. Belle courbe de Noël, il est juste ici. Et comme les contours sont assez lisses, vous pouvez aisément les découper au ciseau, il n'y a pas de problème. Et donc la deuxième, et j'ai oublié la touche finale qui change tout. Le Wing of Stella, le pinceau à paillettes qui donne la petite touche qui tue. Et je viens simplement la déposer sur mes pétales. Ah là là, Sandrine et Fabienne, qu'est-ce que je ferais sans vous? Revoir Christiane, bon après-midi. Hop, voilà la petite touche au pinceau parce que ça manquait. Hop, tout simplement, hein, comme ceci, on y va tranquille. Muriel, fais-toi plaisir, ma belle. Et voilà. Allez, un petit peu là sur ma petite étoile ici et là. Oui, Martine, je suis d'accord avec toi, je préfère le fond de droite aussi. Mais je pense que ça vient de la couleur du béguin bleu en fait. Parce que là, j'ai pris donc le béguin bleu et celui-là est un peu trop foncé, je trouve, par rapport au papier là. Et je trouve que celui-là se coordonne encore mieux. Voilà, ici. Nickel. Et ben voilà, ça y est, on a fini. Bah écoutez, je suis super contente parce que du coup, j'ai l'impression que tout a super bien fonctionné. Je me suis auto-formée depuis 5h30 ce matin sur ce fameux logiciel. Et du coup, je trouve que pour une première, on s'en sort pas trop mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez fière sur ce coup-là. Ça va me booster pour le reste de l'après-midi. Donc, je suis super contente. Voilà, bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un live vraiment extrêmement agréable cet après-midi, comme tous les précédents. Mais vous savez, parfois il y en a, y a une petite touche en plus qui fait que et ben, ça fait partie de ces lives qui font du bien. Voilà. Je voulais, hop, pour, j'essaye de faire des manips. Hein, voilà, on va voir. Voilà. Donc pour celles qui ne me connaissent pas et qui auraient envie d'acquérir donc ces fameuses belles courbes, hop, je vous propose de vous rendre donc sur ma boutique en ligne, harmoniescrap.stampinup.net. Voilà, donc ça s'affiche à l'écran. Vous pourrez donc trouver ces fameux sets de tampons. Et puis bah donc vous avez toujours le code hôtesse qui est affiché. Si vous souhaitez recevoir un petit cadeau le mois prochain de ma part, ça sera avec un grand plaisir. Hop, voilà. Quoi dire de plus? Eh bien, écoutez, tu es chez nous avec nous, on te voit tout le temps. Merci Martine. C'est bien de voir le terrain et de te voir, Harmonie. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça va continuer à fonctionner. Je trouve ça, ouais, je trouve ça sympa, c'est assez agréable. Fière de toi, très bon moment de partage. Merci Fabienne, c'est gentil.
Ta bonne humeur est contagieuse. Et alors, merci beaucoup, parce que du coup, si vous passez un bon moment, moi, c'est l'essentiel. Ça me fait plaisir. C'est vraiment top. Et surtout, n'oubliez pas, si vous partagez. Oh, la porte est fermée. Si vous partagez vos créations, pensez bien, si vous les publiez, donc, à inscrire le hashtag HarmonyScrap. C'est pareil, je viens de vous le mettre à l'écran. Comme ça, ben, dans ces cas-là, moi, je suis notifiée et du coup, je peux les voir. Et donc, c'est un vrai bonheur de pouvoir voir vos créations. Je suis trop contente. Le club des blends est ouvert aussi. Plein de choses, hein, voilà. Si vous voulez acquérir les Stampin' Blends à plusieurs, voilà. C'est ouvert toute l'année par groupe de 4. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis voilà, plein de bonnes choses à vous. Profitez bien de l'après-midi. Reposez-vous, c'est l'essentiel. Hein. Reposez-vous, prenez soin de vous. Et puis bah, moi, je suis dispo même en MP si vous voulez, si vous avez des questions. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain, 14h, même jour, même heure, pour un prochain projet. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde.